Radio Campus 94 FM. Céline Lituanien qu'on écoute ? Peut-être. Là, dans quelques secondes, sur vos bonnes ondes. Ah. Une nouvelle expérience de Sportaz. 650. Lituanie-France, match qualificatif pour l'Euro 2008. À Konas ! Jackie, on a un peu entendu, mais on a surtout mal compris. Oh, à l'arrache, total à l'arrache, parce que pour rentrer à Konas depuis l'été meurtrier, c'est pas facile, hein. Sporta 6-5-0, c'est parti. Bon bah, s'en va, non. S'en va, là. Alors, Jackie, on va essayer de faire quelque chose, non ? Ah, on m'avait foutu sur le micro, les micros des chiottes. Ah oui, pardon, oui, non, d'accord, oui, non, c'est une confusion. Je crois Jean-Louis à la réalisation, merci à Louis. Jean-Louis ne l'entend pas de cette oreille, bien évidemment. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour ! Bah oui. Oh. Ouais. On s'installe, on va... Alors c'est assez bizarre, les sons aujourd'hui. On connaît mal la Lituanie, mais on va... On va voir avec, avec petit catch. Il y a Daniel et Vicieux dedans. Lucinic. Oui. Borgetch. Baissez-moi là, s'il vous plaît, baissez-moi moi, parce que là je vais crier très fort. À qui vous parlez ? Oui, mais je suis dans trois micros à la fois, là, j'ai l'impression. Hein. Baissez-moi quoi ? Le fût. L'hymne lituanien qu'on écoute. Légèrement brouillé. C'est pas gagné. Donc, une très très belle confrontation, ah, bien oui. sûr, une très très belle station, bien sûr. Il n'y a pas de neige, hein, Jacques. Et bien sûr, une contemplation devant votre téléviseur dont vous avez coupé le son. C'est quoi, c'est le FC Nantes. C'est quoi ton son, là ? Ouais, c'est pourri. Hein. C'est pareil, je crois que je regarde, on vérifie, ça y est, j'ai compris. Ah ouais, tu m'as mis sur l'autre. Je vous rappelle quand même, madame, mademoiselle, messieurs, que c'est un match officiel. C'est un vrai match officiel. Oui. C'est qualificatif pour une compétition européenne, je veux dire. Et là, il y a encore un hymne. Ah ouais, mais ça, c'est celui de Ségolène. Et au moins, ce soit l'hymne Panema. Bon, voilà. Vous allez essayer de trouver chez vous cette formule, ce jeu de mots, l'hymne Panema. Le premier qui compose le 05 61 21 64 avec la réponse gagne toute notre sympathie, bien sûr. Et oui, vous aussi, vous pouvez composer. Ils sont dans les arbres, là, non ? Oui, ça me branche, en tout cas, comme image. Merci, Jean-Loup, l'arbitre, donc, de cette partie. Ah, Toulouse. L'arbitre, c'est Monsieur Traité. Puisqu'on en est, justement, en pleine période de commémoration. C'est la photo. C'est la photo, pardon. Ouh, je suis là. Coucou, maman. Voilà. Debout, c'est bon. C'est fini. Donc j'en étais à vous dire hein, qu'en cette commémoration, période de commémoration du traité de Rome, eh bien oui, c'est Monsieur Traité qui aujourd'hui arbitrera cette rencontre, Monsieur Traité de... Konas. Tous en famille à Canal KF, le grand retour de l'attaquant. Hein, une équipe de France désunie ou réunie ou recomposée ou Un Canal KF qui fera le bolton d'or, voire le bol d'orton, c'est à vous de vérifier. En tout cas, avec son numéro, il passe pas inaperçu, l'affaire Calas. Allez là, la Calas. Hein, la Calas, l'affaire Calas, la classe. Qui en a perdu un petit peu quand même, hein, de la classe à la vanille. Ouh, Maquel Kéké, bien sûr. Ouais, qui sait où taper hein, pour remotiver la partenaire. Ouais, on fait du vent un peu, mais ça n'en sera pas au niveau du jeu, croyez-vous. Ah non, là, ça sent le traquenard hein, quand même ce match. En période pré-apéritive, je ne sais pas trop, avec le décalage horaire du côté de Konas, si on n'est pas déjà dans la vodka, donc il va falloir se méfier raisonnablement de cette confrontation. Et le déballage d'horreur aussi qui vous attend sur vos ondes préférées 94 FM 18h. Enfin, on n'est pas en Roumanie quand même, Jacques. C'est pas la Roumanie, la Lituanie non plus. Hein. C'est vous êtes sourd encore, vous êtes sourd encore. Il n'y a pas de Dracula. Voilà, vous êtes sourd. J'entends bien. Allez, monsieur Traité. C'est dans quelques poignées de secondes. Ah oui, c'est non, la poignée de secondes. Oui. C'est curieux qu'on soit à l'heure, hein, parce que là, normalement, on était juste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut serrer une poignée de secondes ?
Attention, il est là, monsieur traité. Il va donner le coup d'envoi de cette confrontation France-FC Nantes pour reléguer définitivement le club de Loire-Atlantique en division inférieure. Roustons-les. Yes, on va découvrir avec vous la composition, là aussi une soirée très composée, de l'équipe de France dont nous n'avons pas eu le fax. On n'a rien eu. Ni fax, ni mail, ni coup de fil de Raymond Domenech. Alors on a vu Sidney Goffou. Lié. Au moins ce soit Sidney 2000 Goffou. Oh là là, j'ai l'impression que ça va être filmé salement, les gars. C'est ouais, TF1 c'est aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'ils ont filé les manettes à Jean-Louis Biss. À moins que ce soit nos écrans qui soient fumés. Ballon dégagé par Coupé. Il est récupéré sur la droite, mais avec une intervention de Monsieur Traité, il y a un coup franc à Canel. KF a fait faute. Déjà. Bon, c'est bien, si on a de l'engagement. Ça veut dire qu'ils sont motivés. Alors ben, apparemment, ils sont venus pour gagner. C'est ce que j'ai cru entendre sur d'autres médias, car il y a d'autres médias. Ça fait pourri, hein, on dirait un match de Coupe de France. Carcassonne contre, donc, je vous le rappelle, le FC Nantes. Et Carcassonne qui récupère le ballon. Carcassonne. Vous étiez dans les catacombes à Carcassonne, Jackie. Oh, c'est son créneau. Oui. Vous êtes bien à Connas, Jackie. Absolument. Ou à Carcassonne. C'est, oui, mais le match se joue à Connas, hein. Oui, c'est oui, un match d'accord. délocalisé. C'est bon. Et donc, bien sûr, Connas, K-A-U-N-A-S. Merci pour la fin du morceau. K-A-U-N-A-S, bien évidemment, Connas, à ne pas confondre avec le mot français qui rouste. Sportas. Et ce sera un premier coup franc pour l'équipe de France après ce geste un peu délicat de Daniel Evicius. Daniel Evicius, bien sûr. Ah, oui. un défenseur. Oui, un défenseur. On peut le dire comme ça. Et c'est un coup franc pour la France. Ah. Bien évidemment, il n'y a plus El Senior, donc on va faire taper quelqu'un d'autre. Oui, Sidney Goffou, donc, qu'on voit en gros plan. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas eu la composition des équipes, Jacques, parce que pour une fois qu'elle est renouvelée, on aurait pu quand même, tu vois, en profiter pour présenter des jeunes, pour faire valoir notre compétence en matière footballistique, je veux dire. Et qu'on n'a pas eu le taux d'acide, surtout. Dans ce taux d'acidité de cette partie, surtout, Jackie, un nouveau dispositif, le taux d'acidité. On me sortait un dispositif par match maintenant, c'est n'importe quoi, le taux d'acidité. Le pH est neutre dans ce match, vous pouvez donc jouer tranquille, regardez, le pH est à 7, et quand c'est le pH 7, c'est très bon signe. Merci, Jackie. Dégagement du Lituanien Kouloubidjous, qui met derrière, intelligemment fait, mais récupération du ballon par les tricolores. Ça sent le match, le match vraiment pourri. Hein, ça sent Tovic. Ça sent vraiment quand même la confrontation de bas niveau. Il va falloir donc rester particulièrement concentré. Non, peut-être qu'il va y avoir quelques actions jaillissantes sûrement. Les deux équipes restent prudentes malgré leur sens de l'engagement. Merci Jacques. Oui. Merci beaucoup. Alors oui, il va falloir suer, effectivement, sur le terrain. Bravo pour les messages subliminaux, pour une fois que le message est loin d'être con comme une publicité. Oui, bien évidemment, récupération du ballon par les Français, mais intervention de Monsieur Traité, il y aura un coup franc pour le tricolore. Je vais tenter de vous parler de ce match. Donc Carcassonne contre le FC Nantes ici à Connas, match de Coupe de France délocalisé, c'est une grande première. Oh, qui a fait ce son? Oh, ben dis donc Jean-Louis, tu jouis. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, ça joue. Tout court, mais ça joue petit. Sans faute. Ça joue petit. Le terrain me semble également petit. La pelouse est petite. Ouais. La ville est petite. Le pays n'est pas grand. Oui. Le petit n'est plus là. Les Français en attaque. Oh. Une reprise de volée. C'était Malouloute qui a tenté le coup comme ça. Pardon, de deux adversaires. Oui, on l'a vu. On revoit ce 7-up. Votre attention, s'il vous plaît. Pas de pub. Pardon. C'est vrai que c'est con. Merci. Allez quoi, on peut arriver à les battre ces types. Ah, j'espère bien, hein. Lit, vous voyez, Fralit, Lit 0. Literie, Lituanie, litige. C'est une question, Lituanie. Non, c'est une litanie plutôt. Là. Pardon, avec les Brésiliens qui récupèrent le ballon avec Vavao. Jacques, il fout les Brésiliens, moi je vois Nantes. Effectivement, ce match est particulièrement difficile. Moins que ce soit les Camerounais. Le Carcassonne Football Club qui récupère la balle avec Makel Keke. Makel Keke qui peut dégager très loin. Prise. Oh oui, oh là là. De la teuté. La défense lituanienne, c'est pas tout à fait ça. Récupération sur la droite avec Akanel Kef. Oui. Allez, vas-y, Coco. Tu aimes ma nouvelle veste en tout weed? Ah ouais, j'ai remarqué que aujourd'hui la teuté. En tout weed. Pleine rayure, hein, Coco. Tweed, Kenam, mais c'est fini, Jacques. Pardon. Paix à l'équipe de France hein, qui a ramé pour le dernier match, y compris sans nous, le dernier essai, y compris sans nous. On s'en nous excuse. Oui.
Oui, oui, mais quelques obligations, là, c'était, voilà. C'était difficile voilà. De passer outre, bien évidemment. Voilà, en espérant que vous alliez sur radiocampustoulouse.com avec toutes les infos sur Sportaz, y compris le DVD qui vous attend au fond à gauche. Enfin, c'est ce que j'ai vu, Teddy Savalas, du côté, à moins que ce soit Satanas. Satanas, donc, il joue pour la Lituanie, merci. Problème de Lito. Et ballon dans les pieds de Daniel Evicius. Ouais, pour Petitius. Petitius qui transmet bien. Tu vois, le ballon ne rebondit pas vraiment, Jacques. La pelouse est très sèche, me semble-t-il. Le rebond du ballon freine et la course est interrompue. Après le match. Si vous voulez. Après le match, tout ce que vous voudrez. Mais là, pendant... D'ailleurs, si vous venez dans les studios de Radio Campus, si vous avez l'intention de débarquer dans les studios de Radio Campus, faites-nous juste un tout petit plaisir. Si vous le pouvez, bien évidemment, si vous en avez les moyens, juste un tout petit plaisir houblonné, mais avec modération. Toujours le 0561 21 64 05 pour nous dire bonsoir. Oui, c'est très joli. Toujours 0-0 en tout cas entre ces deux équipes, une petite touche pour Bagnole. Bon, Ségolène, tu joues Ségolène ou quoi là? Parce que c'est à toi. François, qu'est-ce que tu fous? Oui, on peut plus dire Ségol, d'ailleurs. Ça devient délicat. Sauf ça rentre dans le décompte du CSA, non? Si je dis Ségol, Ségol. Ah, Jacques, il va falloir y réfléchir. Beyrouth. Ouais, ouest ou est? Ballon récupéré tranquillement par l'équipe de France. L'équipe de France qui dégageait dans cette partie genre kermesse, une partie douce entre amis, avec un arbitre très gentil. Oui, de la messe à la kermesse, il n'y a quand même pas. Et là, il y a un sacré blessé. Alors, qui a savaté? Ouh, c'est lui, mais... Oh, Achille Savata. Ça a été juste. Achille Savata, je ne sais pas si on en trouve encore. On est brouillés, les gars. On nous a mis les robots, là, quoi. Non, c'est l'hymne lituanien qui se termine. Alors que ça flash à mort. Oui, ça, regardez, l'équipe de France de la police qui est là. Pour surveiller tout, aller partout. Hein. De toute façon, aux abords des écoles, aux abords des stades, aux abords tout court. Ouh, un ballon profondeur pour l'ailier lutin. Ouais, qui distribue un petit coup au passage, discrètement, en tapant le ballon. Ça fait chuter l'adversaire, ça gagne un peu de temps. Je veux dire, c'est pas GG, mais le terrain n'est pas GG. C'est pas gagné avec ce match nul. Ça n'arrangerait pas cette équipe de France, sur lequel on a quand même beaucoup d'espérance. Mais du côté lituanien, quand même, il y a pas mal de Vicius, hein, Jacques. J'ai vu Sid Vicius, j'ai vu Daniel Vicius, j'ai vu Teka Vicius. Ouais, j'ai vu Brouillanesque. Messieurs, est-ce que je peux me permettre d'interrompre cette confrontation pour tout simplement vous dire que nous jouons déjà depuis près de 8 minutes et que je n'ai pas vu passer le temps. Là, vous avez des supporters rocker lituan rock. Little allô, Jackie. Jackie, on vous parle. Non, c'est bon, on reprend avec une action dangereuse pour l'avant-centre de Lituanie qui a deux joueurs français devant lui. Mais il n'a pas l'habitude quand même de dribbler comme ça. C'est sûr, c'était assez étonnant pour lui. Coupez votre truc, Jackie, merci. Votre truc, c'est quoi? Le ballon récupéré par les Lituaniens avec férocité, engagement, mais là, c'est celui-ci qui le prend. Le jeune et nouveau joueur tricolore, Lassana, qui met sur la droite, vas-y Kiki, avec Bagnole qui transmet. Le ballon intercepté tranquillement, finalement, par les Lituaniens qui sont sans pression en ce début de confrontation. Bonjour. C'est l'ex-URSS, hein, la Lituanie, c'est ça? Ouais, alors là c'est quand même à l'ouest, hein, Jacques. Hein, c'est à l'ouest de l'ex-URSS, si tu veux. Ça devait déjà être un peu dissident dans l'âme. C'est gentil à l'ouest, mais ça me rappelle autre chose. C'est à l'est que c'est un peu plus dur, c'est vrai. Le ballon est récupéré tout simplement. Je transmets des informations absolument confidentielles. J'aimerais qu'on ne m'écoute pas à cet instant. Et bien, qu'est-ce que tu fais, toi? Tranquille ici, donc à KU. KAU. Attention, police. Déjà. Attention, police. Ici donc en direct de Connasse, hein, je vous rappelle que ce n'est pas une vulgarité de notre part, c'est non. Une ville. C'est une vulgarité. C'est une erreur géographique? Non, c'est une géographie. Et que fait Canel KF tout seul avec le ballon là? Je ne sais pas, il y a une faute, hein, voilà, tout simplement. Au bénéfice. En hors-jeu, semble-t-il, Jean-Loup. Le public, vêtement du public là, Jean-Loup, il joue pas, c'est le gangsta arabe de. C'est l'OM, me semble-t-il, c'est Massilia ou c'est Ayam, je sais pas qui c'est ce groupe-là, mais c'est les jeunes bons, ça. Regarde, mets la capuche, mets la capuche, mets la capuche.
Merci Jackie, le concert n'est pas fini, y compris chez vous dans votre tête. Avec un bon dégagement lituanien, une tête en prolongement et une tête en prolongement. C'était dangereux dans la surface de réaction française. C'est quoi cette phrase, une tête en prolongement, tu... C'est nouveau, mais Jacques, je rigole plus du tout car ce sont les Lituaniens qui commencent à mettre le pied sur le ballon. Alors qu'il doit y avoir quand même deux ou trois divisions d'écart entre ces formations. Et là, la Lituanie qui joue bien, qui s'approche tout simplement. Et si tu tires, Coco, ça peut y aller. Wow. Ouais, mais pas comme ça. On écoute tout de suite Kostropovitch. Concert en but mineur. Kostropovitch. En direct live. Merci pour cet enregistrement qui, je pense, vous a touché. Oui, a ému le peuple. Ah oui, oui, oui. Que vous êtes, que nous sommes. Oui, et puis... Sans culotte, Terzetta, réveille-toi. Pardon. Sans culotte. Chérie, c'est... À droite, là. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Là, en ce moment, c'est un peu ça, oui. Mais rien n'est terminé, rassurez-vous. Le ballon est récupéré par Roubaix. Que je salue. L'intervention de monsieur Traité qui sanctionne pas mal l'équipe de France. Celle-ci est souvent en retard, Jacques, sur le, hein, sur l'instant, sur le... Ouais, on revoit la faute de Roubaix, puisque... François Roubaix. Il y a le tas, surtout. Arrêtez avec vos quoi là, vos candidats à l'envers, je dirais, c'est ça, hein, ce sont des candidats à l'envers. Alors, ça va pas avec son super style. Mais non, Zicorza. Le ballon récupéré par l'équipe de France, super style maintenant, qui perd immédiatement le cuir, c'est une honte, on joue comme des salons. Non. Ici un connasse. Non, Jockey, monsieur Traité est impeccable. Ah oui. Allez, Braggio. C'est vrai que ça joue un peu Braggio. C'est le Nantes de Suodo. Oui. Hein. Ouais, surprenante équipe, effectivement, pour l'instant. Ils ont le ballon, les Lituaniens. Elle se bagarre, elle conserve ce ballon. Ah, une petite faute, peut-être, non. Pas du tout. Mais c'est l'arbitre qui est peut-être bien dans l'axial. Jacques a décidé de vous lire tous les panneaux. C'est un jeu qu'on s'est fait juste avant. C'est celui qui dirait le plus de publicité sans en avoir l'air. Ça veut dire quoi, cette remarque? Eh ben, ça veut dire qu'on essaye quand même maintenant de tripoter un peu le direct. Faut bien gagner du pognon quelque part sans que ça te revienne en pleine gueule avec nos amis français. On va le dire comme ça. Ouais. On reste amis hein, avec l'équipe de France. Ouais, on reste au contact. J'ai l'impression que nous sommes sur la lune. Hein, ce match est en apesanteur. Les joueurs sont à l'air. Nous sommes sur la une. Et confondu. Oui, petite faute, petite sale et vilaine faute de Maloulout qui est sanctionné coup franc pour la Lituanie. Et ce sera la grande question de ce soir et d'aujourd'hui, que Lituanie ? En tout cas, 0-0, aucune page ouverte, aucun but écrit. Mais je dirais même aucune passe ouverte, Jacques, hein. c'est assez regrettable. Et encore une fois, en retard, l'équipe de France, la défense française un peu troublée. Comme dirait France Télévisions, le mot passant ne passe pas. Et le gros mot... Le bâton, si ça continue, ce sera le bâton et pas la carotte pour l'équipe de France. Oui. Allez, on joue au ballon. Avec Rocheteau qui tente tout et n'importe quoi, il revient en arrière. Ouais, Rocheteau de Monaco. Je ne sais pas. J'aimerais intervenir hein, sur quelque chose de précis. Hein. J'ai le taux de cholestérol qui est gelé. Choc. Actuellement en kiosque, mais j'ai le taux de cholestérol qui est gelé, Jacques, et je suis inquiet. Ça rime. Essayez de le réchauffer, de le mettre quelque part où la température puisse le faire monter, mon cher Jackie. Oui, enfin, vous savez, comme dans Sportaz, nous n'aimons pas le réchauffer, vous qui nous écoutez depuis 650 matchs. Ah oui, en but, c'est vraiment... c'est l'entraînement. Hein? Comment pourrait-on vérifier que quelqu'un a écouté nos 650 matchs? Est-ce que c'est possible? Franchement, je pense qu'il vaut mieux pas. Très sincèrement, il vaut mieux pas pour lui. Ou elle, je d'ailleurs. Je pense qu'on aurait eu des retours, effectivement. Là, on accompagne ce ballon. Eh oui, même les ballons doivent être accompagnés. Oui, tout le monde, hein, maintenant. Les chiens, les chats, les vieux, les vieilles, les actifs, les chômeurs, les pisses froids. Enfin, tout le monde doit être accompagné, désormais. Ouais, mais c'est pour lutter contre l'isolation. Hein, il n'y a pas que les maisons qui s'isolent, les gens qui sont dedans avec. Et des fois, il y a des problèmes de communication entre les groupes sociaux. C'est pour ça qu'ils font le Wi-Fi.
Stéréo 94 FM 00. Toujours et un quart d'heure de jeu déjà ici. Yeah. En Lituanie. 94 FM 00. Mais alors soit le terrain est délicat à pratiquer, soit il y a un véritable problème d'oxygène ou d'atmosphère, parce que ça peut pas être normal, Jacques, de jouer aussi petitement, aussi lentement peu. Et aussi mal. Ouais. Aussi peu. Alors que c'est pas la quantité qui est importante, bien sûr, c'est la qualité. Je pisse quelque part. Oui, je vous approche, Jackie. Attention à ce qu'on prend pour la France. Bière qui roule, n'amasse pas mousse. Ne garde pas la mousse. Couffre, feinte avec Bagnol, ouais. Qui a démarré comme une folle. Bagnol qui transmet la sur... Oui, oh là, c'est un Canel KF qui tentait le tout. Ouais. Il a joué la roulette russe. Ah, le tout pour le trou. Yeah, on sonne, oui, pardon. Oh, c'est joli. Les liquidités qui arrivent. Le ballon Canel KF toujours qui est centre. C'est pas si bien que ça, hein, quand même, ce petit centre. C'est le climat de ce match qui donne l'impression aux joueurs français qu'ils sont un petit peu à l'entraînement, tu vois. C'est, oh bon, c'est le climat du match. Oui. Nouveau concept. Le climat du match. Le climat. Avec climat. Le ballon est récupéré par la Lituanie. Oui, mais tranquille. Oh, on est obligé de faire des fautes minables et bêtes et même de prendre peut-être un carton. Oui, ce sont ce qu'on appelle des fautes d'humeur. Mm-hmm. Et indigne. Regarde ça, là, oui. C'est fini, l'action est terminée. Oh là là. Oh là, oui, oh là, non, là. Non, pas derrière, oh mon là. Vieux, quoi. Tu réserves ça à ta copse, hein. Oui, ou un amoureux à la limite, mais ou pas. Ton copse, pas, oui, bien sûr. Pas un footballeur. Voilà. Copse c'est copse. Il peut être aussi footballeur, il peut le prendre, le tacler et tout lui faire. Mais de toute façon, l'amour n'a pas de sexe. Important, on dit, hein, un amour. Le ballon est. Oui, vas-y, en sortie de but, vas-y. Je pense qu'il va falloir encourager le ballon, parce que sinon, les autres, c'est pas la peine. Manque un i à propreté, Jean-Louis, pardon. Jackie, tout va bien? Écoutez, je me délecte de ce petit voyage en Lituanie. J'ai beaucoup aimé le voyage, la fouille à la douane. Je me suis régalé de tout plein de choses. Mais c'est pour l'instant, bordel de merde. Voilà, alors ça par exemple, vous voyez par exemple. C'était un petit peu en trop. Dégagement c'était en Lituanie. C'était pas du lituanien, ça. De couper, hein. Non, pas du tout. Je crois que je ne sais même pas comment ça se parle. On est bien sur TF1, c'est faute sur faute. Qui remplace donc l'émission Fête sur Fête. Ouais. Et là, on s'en sort pas du tout. Match embrouille. Yeah, mais toujours 0-0-0-0-0. Ouais, tranquille. Ballon qui fait tourner avec tout la gland. Allez, bon contrôle côté gauche, mais mauvaise passe. Oui, mais tu vois, facilité. Non, mais trop. Ouais. Excès de facilité, là, un peu de condescendance du côté français. Manque de concentration, là. C'est qu'il doit y avoir un problème. Je te dis qu'il y a un problème là-bas. C'est-à-dire, dans les têtes. Apparemment, Etienne, c'est chaud, hein. Ah, il est pas facile hein, de jouer à connasse. D'ailleurs, il le dit, hein, le capitaine français. Lilian premier, roi des sélectionnés. C'est quoi ce bordel de merde? Ah oui, alors merci. Écoutez, essayez de me traduire cette phrase en lituanien, que je lui renvoie. Hein. C'est quoi ce tissu de conneries? Le ballon est récupéré tranquillement, oui, c'est bien par la France. Oh, France dans la difficulté, la lourdeur et l'horreur même, dirais-je. Ce sont les Lituaniens qui le prennent avec Tekinvicius. Ah ouais, qu'il l'est vraiment. D'ailleurs, prendre par deux joueurs. Il en faut deux quand même. Oh, ça c'est pas mal là, une touche de balle. Très belles intentions françaises, un grandissimo pont. Mm-hmm, comme tu dis, c'est un aqueduc. Un grand pont donc. pas deux quand même, hein, les gars. Alors. Non, mais je pense que le terrain y est pour quelque chose là. Je sais qu'il y a beaucoup de Dupont en France que je salue d'ailleurs, mais quand même. Mais heureusement qu'il n'y a pas la joie. Ils sont pas tous grands. Ballon français, je profite de cette petite pause de votre part pour vous réclamer corps et âme un jingle et en lituanien. C'est sans intérêt. Mais dis donc, c'est moi qui décide dans cette émission. Hein? Alors, et en lituanien, jingle, c'est du jingle. Dans une forêt d'Afrique, un barracuda buvait. Un sportaz nature, boisson non alcoolisée. Oh et il y mettait de la menthe. Sportaz pour mieux prendre son pied. Sportaz et du fond de la jungle. Sportaz on l'entendait chanter. Sportaz je t'aime, j'en boirai des tonneaux. Âme sous les parterres, sous les noix de coco.
Sportaz. Je t'aime, j'en bois les coups. Sous les parterres, sous les noix de coco. Merci. Merci. Quoique il ne se passe rien sur la pelouse, il aurait pu tourner encore quelques heures ce jingle. Il n'y a pas de raison. Oui, ou cette chanson, c'est plus trop. Là, oui, le ballon est récupéré par la France. Bien, bien, solidaire en défense, la France. Ah oui, là, c'est Lille en premier qui s'était élevé tel un goéland. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la France que l'on soit solidaire en défense. Je ne vois pas à quoi tu veux faire allusion, tandis qu'à Canel KF trouve encore le moyen de se mettre hors jeu tout seul. Je fais allusion à ceux qui faisaient illusion dans d'autres temps. Merci, Jacques. Merci. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je lui dis merci. Le ballon dans les pieds, lituanien Vasyl Vicius, Vasyl Vicius qui tentait le 1-2, mais là il y a eu... Ouais c'est sûr, mais c'est un joueur époustouflant. Bien sûr, mais là il est tombé. Il y a eu quand même un carambolage. Ah oui, lâchez le Vicius. Pas facile. Hein. Non, mais elle est dure, cette équipe lituanienne. Elle ne paye pas de mine comme ça, mais t'attrape au Guindous. Elle te lâche pas. Prenez vos médocs, Citani. Ah, ça c'est bon pour lui. Tu sais que ça y est, ça sent. Oh là là là, il s'accroche, il tombe et tout. C'est l'horreur, cette partie est absolument dégueulasse. Ouais. Mais il fallait y être aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas jumeler Litua au Citanie? Oh là là. Merci Jacques. Pardon. Ouais, c'est bon, TV, rajoute TV derrière. Oh, le centre. J'ai vu qu'il y avait une manif, j'ai l'impression de m'être fait bézier. Centre foireux, j'essaie de continuer pendant que Jacques essaye de finir. Quoi que c'était à Montpellier. Allez, avec un centre français. France. Mais rien. Ils ne sont pas là, ils ne s'appliquent pas, il n'y a aucune conviction dans leur passe. Tandis que du côté lituanien, on essaye. Alors, ils ne sont pas là. Si, ils sont là, mais pas tout à fait dans la même intention, dans le même espace, dans le même tempo. On est dans la vieille. Elle a sorti trois mots de foot. Oh, il va pas tarder à être malade. Thanks, Jack. Sportage numéro 11. Merci. 6-5 nul. Oui, Brazil, attention. C'est quoi, c'est le quart de finale de Coupe du Monde qu'on nous repasse. Monsieur Tornadinho. Vas-y, emballe. Savichal, profondeur. Non, je t'ai coupé. Coupé tranquille sur cette longue balle imprécise des Lituaniens, mais eux font ce qu'ils savent faire, tandis que du côté français, c'est quand même maintenant dramatique. Oui, oui. Tandis que Monsieur Wurtz va rentrer. Coupé, ne pas confondre avec son frère, loupé. Ah bon? Oui. Et vous le connaissez? Il a bien fallu choisir, de toute façon. C'est la vie, ça. Il faut faire des choix. Avec un pied gauche impeccable, une transversale impeccable dans la surface d'opération, le France qui frappe. Oui, tranquille. Frappette, hein. C'est un tir d'entraînement. Voilà, ça fait briller le gardien, ça met la cuisse en éveil. Je veux dire, bon, c'est un tir sans en être un. Et on y va, c'est parti. Non, come on, baby, like my football. Oui, allez, on va y aller tranquille. Yes, votre PlayStation, s'il vous plaît. Alors là, ça fait trop, là. Ah oui, non, c'est la période, là. Jacques, fais pas le con, non. Oh, après tout... Ils t'en ont filé une, ou quoi? Commission d'IPS. C'est une pub. Non, c'est un slogan. Oui, mais c'est décompté. Ah oui, là, ça risque. Décompté. C'est compté. Écoutez, vous commencez à m'emmerder. Attention. Le ballon est dégagé par l'équipe de France. Loin, on cherche sa mère qui ne trouve pas son père. Et c'est un petit peu n'importe quoi. C'est la plage de Valras maintenant avec un tennis ballon. Attention. Oh, monsieur Durand qui est allé savater madame Geneviève. Oui, mais monsieur Traité, là, l'arbitre est toujours impeccable. Yes, attention, le France, Bagnol. Bagnol. Oh, c'est good. Il va au parking. Il va au parking. Bagnol. Oh, 4 litres au 100 bagnol, mais alors ça vaut le coup. Ah ouais. Ah, come on, baby.
Vous avez toujours le 05 61 21 64 05 à votre disposition pour donner, et ce sera la seule fois où nous le ferons, une note à ce match. Ouais, Bagnol est sur la touche, mais c'est pour la jouer. Yeah, avec une tête prolongée, un tir magnifique. Le beau tir d'Akanel Kaif. Petite reprise et belle parade du portier. Ouais. Enfin une action, 24 minutes de jeu, 25 pratiquement, et la première action de but pour l'équipe de France. Bon tir cadré tout de même. Ouais. Bel arrêt, bel arrêt. Mais toujours 0-0-0-0-0-0-0. De Porticus Vicius. Yeah. Comment ça y est? Comment ça y est? Pardon. Eh bien, toujours avec le taux de cholestérol qui se réchauffe difficilement, mais qui se réchauffe un petit peu. Nous sommes à 5% de possibilité de but. En cette période de sondage, c'est important, 5% de possibilité de but. C'est très noble. Merci. Akanel Kaif qui revient, qu'il n'y a personne venu l'aider, donc ah il oui, mais... quand même, si, ça prend forme. Bon, normalement, il devrait y en avoir deux ou trois avant la fin du match, voilà. Comme peut-être là, mais cette fois-ci, c'est à côté. Cette équipe de France est en train de monter en puissance. Allez, donc, c'est assez facile. Non, certes, mais elle prend corps. Rappelons quand même que ce n'est pas l'habituelle équipe de France avec des titulaires qui jouent très régulièrement l'ensemble des matchs et des compétitions officielles auxquelles participe la France. Il y a Skrela qui joue. Oui, Skrelach. Bon, en fait, ce qu'on peut, je crois qu'on peut dire, Jacques, que l'adversaire le plus rude de l'équipe de France c'est aujourd'hui, ce sera le terrain. Pardon, oui, le terrain. Effectivement, le seul adversaire du niveau de l'équipe de France, un terrain bien bosselé, bien comme il faut pour éviter les conduites de balles, oui. Ça va, merci. Promenez-moi. Coup franc, sifflé par Monsieur Traité, qui est né en 57. Hein. Ah. Une information. C'est une information à Rome, il est né alors, non? Non. Ah bon? Non, ça c'est son petit faible. Pendant les week-ends. Le ballon est arrêté car c'est un coup franc, c'est Bagnol qui le tire pour l'équipe de France avec la portière arrière gauche. Il l'avait bien pour Sidney Demiou. Ce sera une touche, une simple touche. Oui, c'est simple, une touche. Si tout était comme une simple touche. C'était parti piano et puis... Yeah, on voit Dominique... Comment on l'appelle, Raymond? Ramon. Raymond Dominique. Oui, pardon. Godis. C'est pas sûr, il a pas de numéro normalement. Oui, voilà. Voilà la bonne tête, hein, c'est dommage. Intervention de la défense féline, salopé Vicious. Ce sera donc un dégagement. Excusez-moi, mais j'avais perdu le véritable nom du joueur. C'est cette musique derrière qui me trouble. Effectivement. Attention les Français qui montent en puissance. Oui, enfin, ils montent en puissance, au bout d'un moment, ils ont pété la bielle. Oh là, il n'y a personne, c'est un centre pour personne. C'est... Alors qu'il y a effectivement moult possibilités d'aller marquer des buts. Moult. Là, on le sent trop du côté français. Vous êtes du côté du moult. Il y a du grain moult. Jean-Claude Le Moult pour les anciens uniquement, du PSG. Attention, avec Penelopao. Et intervention tranquille. Qui joue à Santa Cruz. Ça sera finalement. Oui, merci Jacques. Oh, Brésil. Oh, ok. Ah, qui l'eût cru, 0-0. Allez, on se jazz ensemble. Oh putain, jazz-moi ça. Oui. D'ailleurs, le jazz a monté quand même. Chaque année, il prend 5% le jazz. Oh, le jazz revient bien, vite et fort. Le jazz butane. Oh, ça me jazz. Oh, wow. Campus, 18h29. Oui, c'est rare. 4 FM. Ah. Les comptes d'apéro. Avec ce ballon récupéré tout simplement par les Lituaniens. Oui, très physique, hein, les Lituaniens quand même, qui tiennent moins bien le ballon que les Français, mais très physique tout de même. Oui, volontaires, ils sont, Jacques, je le répète, mais ils sont à leur niveau. On ne peut pas leur demander beaucoup plus aux Lituaniens. Waouh. Ouais, d'accord, merci. Il va falloir se méfier quand même, en ce moment il y a beaucoup de... Beaucoup... Non, c'est vrai quand même. Yeah, les Français, que des bonnes petites passes, rapidement, s'il vous plaît, merci. Ce sera mieux. Oh là là, et voilà. Ouais, c'est ma louloute là qui... Si, t'es qu'un sale Vicious, mais quand même. Et mécontent, il prend un jaune. Ouais. De la couleur du maillot, comme donc si l'équipe de France prendra du carton bleu. Comme si ça ne suffisait pas. Tu vois qu'il est Vicious, c'est marqué dessus. Oui. Quel mec Vicious. Alors qu'il avait, me semble-t-il, quand même joué le ballon.
Ah, peut-être, possible. Cette formation du FC Nantes est surprenante. Ok. Merci, Jackie, de suivre. Bah, quant au numéro des joueurs, quand même, c'est vrai que ça me fait souci. Jacques est un vieux de la vieille, vous savez, il a démarré le foot avec de 1 à 11 et terminé. Dès que les chiffres supérieurs sont apparus, ça a été terrible. Oh. Surtout avec l'euro. Bagarre pour récupérer ce ballon sur le terrain dans le camp lituanien. Ils sont bien. Ah oui. Avec Bosca Nova. Ok. Tu vois, climat vicieux. Ouais. On le voit là, il sait. Là. Oui, mais merci, je remercie Jean-Louis de rappeler ce que j'avais dit en début de match. Il y a un climatch. Oui, particulier. Souviens-toi, je m'en souviendrai. Particulièrement vicieux. Nous nous souviendrons. Sid qui essaye de récupérer ce ballon, mais finalement, ce sont les tricolores qui s'en emparent avec la montée d'un jeune grand nouveau qui fait sa partie comme il faut. Et lui, pas mal avec son pied droit, sûrement. Il n'a jamais tiré du pied droit. De toute façon, c'était attendu du côté du gardien lituanien. Les petits hommes de l'Est qui augmentent la sauce JV. Voilà, il l'a dit et il le fait. C'est ça, Jacques. Ce qu'il vous promet avant les élections, il le tient avant les élections. Après, c'est autre chose. Lissin. Attention à Canel, il n'était pas en jeu, à Canel. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, c'est arrêté. L'enjeu est sifflé 10 minutes après. Il y a du vent. Nous touchons le fond de pension. Ah non, on le saurait, Jacques, ici. Aïe. Ça ressemble plus à du fond. 0-0 donc, tout de suite, sur cette piste d'athlétisme transformée en stade de foot. Tout petit stade, hein, mini stade. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont du mal à développer. Ils se sentent en promiscuité. Tu sais, les joueurs d'équipe de France, ils ont des chambres de 44 mètres carrés. Ils sont quand même habitués à un certain standing. C'est vrai que là, il y avait des strapontins. Effectivement, dans les vestiaires, coupés. Tranquille. Rien eu à faire. Il fait attention à sa relance. C'est une des phases techniques tout à fait modernes dans le jeu du football d'aujourd'hui. Ouais. Par exemple, quand un gardien ne touche pas le ballon de 30 ou 40 minutes, Jacques, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte de rentrer un autre joueur à la place du gardien? Comme un gros étron qui flotte dans des chiottes bouchées depuis des années. Non, vous êtes absolument dégueulasse. Tirez-vous à la chasse. J'avais dit qu'il fallait lâcher la sauce, mais quand même... Il faudrait plutôt lâcher la chasse. Le capitaine français, donc, tu speed, qui cherche un partenaire, qui veut trouver une balle en profondeur, bien assuré, mais récupération tout de même de la tête, techniquement, c'est très bien. Qui va comme un grand fou, c'est là. C'est pas mal du tout, le centre un peu imprécis, lui aussi. Mais qui est ce numéro 10, puisque Malout a le numéro 7, qui est donc le numéro 10 français, parce qu'on a une sale image, hein, pour rien vous cacher, là, on distingue à peine. C'est vrai, tout est pareil chez nous. Nous, on a une bonne image, mais la télé a une sale affaire. Donc 05 61 21 64 05, si vous savez qui est le numéro 10. Avec Toulaglan qui est derrière son capitaine Lilian Premier. Je vais vous faire ça comme si j'étais quand même sur une chaîne. Bien sûr. J'ai cru comprendre que sur le banc de touche, par contre, il y avait Nasri sur le gâteau. Oh joli, la cerise sur le gâteau. Écoutez, je me le note. Merci Jacques pour cette petite remontée soudaine. Ah oui. Et coupez qui a la balle. Ouh, schlack. Ah oui, ouais, butez là. Ça en est fait une tranche. Une tartine. Yeah, alors que c'est arrêté. Yeah, allez les gars, c'est le voyage, ils sont allés quoi, en vélo, en bus. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je pense pas qu'il y ait le métro. Ils devaient plus souvenir qu'ils avaient un match en Lituanie, c'est pas possible. Ils n'y sont pas complètement. Avec Akanel KF qui tente le coup. Akanel KF qui freine, qui s'arrête et qui tape du long. Oh là là, il tapote. Tir écrasé. Comme beaucoup de cigarettes d'ailleurs. Oui, de plus en plus ces derniers temps. C'est vrai. Sale temps pour les fumeurs. Le filtre est biodégradable, mais quand même. Le ballon est récupéré tout simplement par l'équipe de Lituanie qui se bat pour l'avoir et qui l'obtient, ce ballon. Je propose qu'on arrête de fumer à l'étranger, hein, puisque je ne vois pas pourquoi on va polluer les autres, hein, dans ces cas-là. Hein. Déjà, on s'auto-réglemente, certes, mais quelle image on veut donner de la France? Est-ce qu'elle en a encore une image? Sale. Ta 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 ta. 0 0 0 0 0 0 0
0, 0, 0. Entre la France. C'est pas très professionnel. La nouveau petit bonheur. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pas très professionnel. Le ballon est mis sur la gauche. Ah, peut-être. Oh, 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 belle prise de main, tout de suite. Rassurante la prise de balle du portier Porticus Vicius. Et ce serait une touche au bénéfice, me semble-t-il, des Lituaniens. Oui, ils conservent le ballon. Le palmarès hein, du festival de Cône As. Voilà, donc Polyalides Industrios, Hermanès, Sartre, Schwartzmann, Marjorie de Total qui remporte bien évidemment la grande palme. Dustin Hoffman, bien sûr, le marin aussi, le film de Scorsese. C'est super marin. Le ballon est perdu par la France. Minablement, c'est une honte ici, c'est une honte. Heureusement que le général de Gaulle n'est plus là, sinon il pleurerait cette équipe de France. Il jurerait, il insulterait. Allez la France et vive la République. Et c'est ce qui m'inquiète. Et on voit cette faute de Toulon Gland. Avec les chars du maréchal Dussault qui passe actuellement devant le président du conseil. Bravo! Bravo à tous et à toutes. C'était en direct de la remise de la commémoration du stade de Fred. Ah, ta salut gueule. Ouais, bah salut. Merci à tous. Nous rendons l'antenne. Un retour ici donc à Connas, je sais madame, c'est pas facile à dire. Et pourtant... C'est la ville dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cela dit, dans la vie de tous les jours, dans la ville de tous les jours, les gens ne se le disent pas, mais il y en a beaucoup qui le pensent. c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Pourquoi j'ai la télé de travers et que je m'en aperçois seulement maintenant? C'est vrai. Parce que le match n'était pas tout à fait droit. Non mais tu plaisantes, on a failli en prendre un. Il aurait été plus mieux disposé, ce jeune homme. Il eût pu faire l'exploit, pu créer la différence. Jean-Louis, ralenti, 16. Ah, c'est beau, mais il se met un peu de traviole, quand même, pour reprendre le ballon. Peut-être pas tout à fait l'habitude pour Climat Vicius, hein, qui est un petit peu partout, Climat Vicius. Qui monte en température, hein, on peut le dire, à moins qu'il soit nuageux. Je tiens, oui, il faut dire quand même hein, que Climat Vicius sort d'une grande dépression. Oui, bien sûr, vous les cumulez, vous. Et là, il y a du bobo, donc on va s'écouter un petit jingle, le deuxième de cette mi-temps. C'est pas beaucoup, hein, le deuxième jingle de cette mi-temps. Nous partons le chercher à Vilnius. Sportaz, veuillez patienter, un jingle va arriver. Ben vas-y. Hein. Fermez-la deux secondes. Fermez-la. Ça fait que ça. Voilà. C'est bon. Et ben. Merci la régie. Vraiment, on peut compter sur vous, comme sur cette équipe de France qui ne compte pas le nombre de buts et le nombre d'actions. Installez-vous, hein, le studio est grand tout de même. Oui, il y a la lumière des chaises, de la place, mais il n'y a qu'une image. Hein, vous pouvez rentrer à défaut de ressortir. On voit l'arbitre, monsieur Wurt. Non, je crois que c'est une erreur hein, d'affichage. C'est bien monsieur Traité hein, qui dirige cette partie. Donc, 37 minutes de jeu, 38. Combien ? 38. Maintenant, attention, combien tu dis ? 38. 7 minutes dans cette première période, on n'a rien vu. Ah oui. Si ce n'est des Lituaniens morts de faim et des tricolores fins. Enfin, on est comme eux, on n'a rien but. 0-0, bien évidemment, je reprends le contrôle, je reprends le mix. Jackie est dans la place, et vous, madame, vous êtes à ma place. Alors foutez-la, s'il vous plaît, sortez-la ! Jean-Louis, un bon gros plan, certes, ça fait du bien. Hein. C'est beau ça. Ah oui. Ce filet qui ne bouge pas, il doit être malheureux le filet de pas trembler hein, de temps en temps quand même. Oui. Ça aime trembler le filet. Allez, attention, non, je ne crois pas que le filet soit de trembler, il est aussi de connasse. On va pas en sortir. C'est clair. C'est clair, en tout cas au niveau de l'image, maintenant ça va mieux, hein. Je crois que Jean-Louis a fait le nécessaire. Ouais, il s'est réglé sur tout la gland, donc effectivement, quand il peut. Attention l'équipe du Brésil donc. Ah non c'est Nantes hein, Jacques c'est Nantes. Pardon. Là c'est Nantes hein. Excusez-moi. Avec Pécou et tous ces matchs partout. Pécou qui joue contre Coupé, c'est quand même assez regrettable. Pécou tant qu'il joue pas la belote. Oh du trou dans la défense, le centre. Oh, qu'est-ce qu'il a fait l'autre là? Un tir au-dessus. Lituanien est présomptueux. Mm-hmm. Hein, salopard Vicius. Enfin la défense française était quand même
aux aguets. Tu parles, mais relâché complètement. Regarde, il est seul dans la surface de réparation, cet âne, au lieu d'essayer de taper directement. S'il centre, ça peut faire but. T'es qu'un vicieux quand même, vraiment t'es qu'un vicieux. Merci Jackie, on sait jamais. Dans le texte, ça doit pouvoir se comprendre. Coupé qui dégage mollement. Oh là là, non, écoutez, faut faire quelque chose là, les gars. Soit on les dope. On peut faire rentrer quelqu'un. Non, ce n'est pas le genre de l'entraîneur français. De doper ? Non, oh, de faire rentrer quelqu'un. Ah bon. Non, pas. Tout de même, quand tu même. Tu me fais peur. Non, d'autant qu'il a, longtemps entraîné l'équipe de France Espoir, quand même. Oui. Imaginez la responsabilité de nos jeunes. Il est dans pas la moustache, lui. Imaginez un bon centre français. Ah oui, mais personne pour le récupérer. Il peut en faire des bons centres tant qu'il veut, toute la partie, s'il n'y a personne. Sa tête à fond, hein. Ça quoi? Sa tête à fond. Mais pas ici, en tous les cas. Ah si. Là, c'est calme. Ah, sur le terrain, sa tête. Regarde. Ça dure combien de mi-temps, hein? Oups, non, je remarque, je ne sais pas pourquoi, le terrain est-il gras, Jackie, comme vous? Non, je vous ai prévenu, le plus sérieux adversaire de l'équipe de France, ce sera le terrain aujourd'hui. Ce terrain est tout pourri, il l'a acheté, je ne sais pas où, mais il est tout pourri, le terrain, il est bosse, il est pourri. Ouais, bien sûr, Jackie, entre terrain, on se comprend. Ouais. D'ailleurs, je viens au creux du terrain. Hein. Tout la gland, c'était, hein, en gros plan. On enchaîne. Tout la gland. Okay. Tout la gland, pénétration, yeah, bien évidemment. Attention, Super Vicious News. Ah, Super Vicious News qui met derrière pour Sid Vicious. Ouais, Sid Vicious, effectivement, excusez-moi. Me semble-t-il. Ouais, qui roule en Sax Pistols. C'est moderne. Dazzle. En fait, c'est un mot derne. Mm-hmm. Ballon, ah, une fois bien négocié par la défense française pour une relance propre. Négociant en ballon, hein, c'est un métier du futur. Bien évidemment. Bien sûr. Jacques, tous les métiers sont du futur de toute façon, voilà, à partir d'aujourd'hui. Si on le voit comme ça. Démerdez-vous, hein. Trouvez-vous votre métier parce que sinon ça va plus être possible. Métier ? Fabriquez vous-même votre métier. Métier ? Le ballon est là dans l'équipe de France, il reste moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps pourrie. Il est mi-temps toute pourrie, toute jolie, toute pourrie. Ouh, la tête Il peut rien faire le pauvre gars, là. Ouais, sinon là. Un dunk. C'était au-delà, c'était impossible, mais il l'aura tenté, Malulut. J'aime bien l'appeler Malulut. Oui, je le sens, hein, que vous l'aimez, ça se sent dans votre voix. Vous retrouvez du grave dès que vous dites Malulut, voyons, dites-le. Malulut. Oh, tu me troubles. Yeah, 0-0. Ah ouais, ça aussi, ça me trouble terriblement, ça me trouble le... Le score n'a pas bougé, mais les joueurs commencent à le faire, de bouger, de se remuer un peu plus. Quelques tirs cadrés, quelques actions intéressantes depuis une vingtaine de minutes. Ouais, bah ça c'est le côté salopard du joueur. Il s'est dit, bon, il y a la mi-temps bientôt, l'entraîneur va penser à changer, donc je vais montrer un peu, comme ça je resterai pour la deuxième période. C'est, okay. C'est le côté salopard du footballeur. C'est quoi cette pub pour ce zoo, là? El Pozzo. Oui, bien sûr, soyons logiques. Tant que c'est pas El Pozzo B. Ok, la tête de la France. Putain, la tête de la France. Sur la tête de la France. Carrément, ils essayent de décaniller les joueurs maintenant. C'est petit. C'est sale, hein, c'est sale. Non, mais j'ai rarement vu cette équipe de France autant utiliser la tête. Hein. Oui, alors pour les jeunes qui veulent débuter le foot, ne regardez pas ce match. Oui, hein, peut-être. Parce que là, c'est pas le bon exemple. Hein. Fausse faute ou vrai? Vraie patte, Jacques. Ouais. Ouais, c'est un coup franc dangereux pour l'équipe de France, à moins de 3 minutes, à moins de 2 minutes même, peut-être, de la fin de la première période. Mais non. Si. Mais qui va le taper? Qui va le tirer? Jacques, tu te le sens? Non, j'ai là vraiment, je suis... Tu ne tires pas, là? Non, j'ai vraiment... Ah, il y a quand même 25 mètres, tu peux, non? Je suis assez nasal, ces jours-ci. Mais en tout cas, il y a un beau coup à jouer et un coup franc à jouer. Non, mais attends, c'est le jeune, tout simplement. Ah non, Bagnole. C'est Willy, c'est Bagnole. Sauver Willy ou Bagnole, qui, effectivement... Sauver Willy en Bagnole. Ouais, ouais, une famille en orque, sans feuilleton. Oh, et Polar, qu'est-ce qu'il devient? C'est chez Emile. Attention, Bagnole. Oui. Il clignote, c'est bon, c'est lui qui clignote, il tourne à gauche. Ça allait droit dans le mur. Hein. Enfin, disons qu'il a essayé de savater un Lituanien, à mon avis. Oh, là, il n'y a pas en jeu, si Non, ça joue. Monsieur Traité est tranquille. Ok, Monsieur Traité, impeccable. Oui, il a été traité, de toute façon. Oui, tout à fait, 1492 pages. Sportaz. Ah. On m'appelle? J'ai entendu ce morceau. C'est un jingle qui démarre ou une émission qui se termine? Non, on avait les jingles qui étaient encore à la douane. Ils arrivent, les jingles. Ils arrivent en kit. L'Europe n'est pas encore tout à fait faite et ce n'est pas encore la fête de l'Europe, de toute façon. Il y en a pour longtemps. Ballon dégagé par la Lituanie qui les rend directement maintenant. Tranquille, l'équipe de France installée dans la moitié de terrain.
dans la moitié de terrain pour rien y faire, si ce n'est regarder ce ballon partir dans les bras du gardien. Un moment intéressant quand même, un ballon dans des bras. Amenez-moi un sac en plastique là que je vomis. Dans des bras d'experts, allais-je dire. Tout de même, les gardiens sont certes chouchoutés, mais qu'est-ce qu'ils chouchoutent le ballon? Ah, c'est les seuls à le toucher avec la main, à le caresser, Jacques. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, entre en contact avec le cuir. Arrête, tu me... Pardon. Ballon sur la gauche à Canel KF n'est pas hors jeu. Ah bon? Si, oh, signalé là, encore. Si, quand même, oui. Oh là, Jean-Louis fait quelque chose, là. Jean-Louis, ouais, mais bon. On va payer l'arbitre de tout, Jean-Louis. C'est quoi le nombre de matchs? Les 39 matchs? 0-0-0-0, essayez de faire bouger ce score, c'est pas faisable. Ouais, je ne vois pas pourquoi ces numéros-là, comme ça, explosent d'un seul coup. C'est... En fait, les joueurs choisissent leur numéro ou c'est l'inverse? Écoute, si tu veux vraiment une réponse, je vais t'en donner une, mais je la déconseille à tout le monde. Hein? En fait, on parlait de tabac l'autre jour, je me suis renseigné, on peut fumer encore et jusqu'à... longtemps dans les enceintes sportives, des cigarettes, c'est quand même une information. Et la pipe? C'est autre chose, c'est pour la mi-temps. Le ballon est remonté par la Lituanie. Les Lituaniens qui sont installés tranquillement. Voilà, c'est bien joué, Coco, avec Vasivicius. Vasivicius qui bon sort. Oui, oh, en goal. Dubček qui s'est un peu... un peu barré. Dubček barré, effectivement. Au porteur. Ouais, c'est opportun ce que nous avons dit précédemment, mais ça sent la fin, les quelques secondes, la poignée de secondes va se refermer. Ça sent la pagaille surtout, oui, Jacques, un peu là. Oui. Bonsoir. Ah oui, pardon, bonsoir. Bonsoir, artiste. Salut. Salut. Il a raison, ouais. Voilà, tout a été dit en 2 secondes. C'est quand même assez magistral, la technique. Ouais. Attention à ce ballon récupéré par les Lituaniens. Nous sommes dans la moitié de terrain française, on est aux abois. La radio, le média de l'immédiat. Sparta 650 dans quelques instants, la mi-temps. Ah, je vais fumer. Oui, d'accord. Dans les tribunes. Ah non, c'est la mi-temps, hein. Ben oui, je sais, j'ai bien compris. 0-0. Oui, 0-0, puis 0-0. Voilà. Hein, voilà. Voilà, tiens, petite info, demain, 12h30, un monde ovale, émission mensuelle qui mélange culture et sport et rugby en particulier. C'est à 12h30, le pays visité. Demain, ce sera le pays de Galles. C'est dit. Tu viens, chérie. Radio Campus. Oh. Viens, chérie. On va fumer ? Ouais, je vais ouvrir. Ça me changera de l'ouvrir.